Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui on continue l'aventure Watch Dogs Légion avec l'épisode 15. Et notre ami Jonathan est de retour et il doit pirater l'assistant de l'officière de liaison. Alors vu le bâtiment, ça n'avait pas l'air simple. J'ai trouvé une petite entrée par ici. Et vous allez voir que le bâtiment il est costaud. Fais donc attention. Il faudrait aller par là, mais il y a une caméra. Bizarre qu'il n'y ait personne par ici. On a déjà vu un agent. On va pirater la caméra pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah d'accord. Je suis là et il est juste en dessous. Ok. Rien à... Ouh là là, si, il y en a un là. Allez. On amorce le premier piège. Il y en a peut-être un aussi en dessous. On va pirater là. Peut-être qu'il y a un piège ici. Oui. Bon, ça pour l'instant c'est pas notre problème. On va pirater la caméra qui est ici pour voir un peu plus ce qui s'y passe. Ok, donc c'est le premier personnage qu'il faut que j'ai en priorité. J'en ai deux à avoir. Ok, bon bah il est juste à côté. Ok, tu vas peut-être bouger à un moment ou à un autre. Je fasse attention ici. Ah. Il y a quelque chose par là. Ça va mal. Alors, qu'est-ce que t'es ? Ça doit être n'importe où là. C'est lui. Allez, tâchez d'ouvrir l'œil. Faites-le vite. Bon, je laisse tomber. On se retrouve. Hé, reviens par là. Non, faut que je lui parle. Oh, reviens. Non! Je dois le... Je suis pas obligé de l'avoir avec moi, en fait. Il faut que je le pirate. J'étais pas obligé de tuer, c'est vrai. Ou blessé, puisque apparemment il est blessé. Alors, je suppose qu'après il faudra que j'entre à l'intérieur, puisque j'ai un autre officier à infiltrer. Téléchargement terminé. Bon, fichez le camp, ou ils vous tueront à coup sûr. Oh, bon, c'est sympa. Bah, je vais repartir. Ah, oula!
Qu'est-ce que c'était? Il est encore temps de baisser les armes. Ouf. Bon, je voulais le voir. Franchement, c'est top. C'est quand même dommage. Il y a plein, pas mal de choses à faire ici. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Est-ce qu'on, avec celle-là, on peut aller à l'intérieur? Non. Il y avait bien une caméra à l'intérieur. Ok, on est encore. Ah, il y a des documents là. Il y a un drone et j'aime pas les drones. J'étais monté par là. C'est un peu trop calme par ici en fait. Toujours amorcer les pièges dans le jeu, hein. Ne faites pas de comme moi, n'oubliez pas les pièges. C'est bizarre, il n'y a vraiment rien par là. Il n'y a pas d'agent, il n'y a rien. C'est bon. 16 conversations par email me portent à croire que notre intermédiaire de l'intérieur est une vraie dévergondée. Elle passe pas mal de temps aux Three Hawker Boys. Si vous voulez démarrer une relation avec elle, c'est un bon point de départ. Allez, envoie les infos. Voilà. Les activistes, ils ont des couilles. Ça ferait des super recrues pour nous. Allez, plan. Non, ça c'est la sonnette. Enfin, le klaxon. La sonnette. Allez, un petit parcours. On y va. C'est parti. Séduire l'officière de liaison. C'est Jonathan qui va faire ça, séduire. On y croit tous. C'est loin, hein, quand même. Non, je l'avais vu. Vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de choses que je vois pas au niveau de les voitures, mais surtout les motards, les barres, les balustrades, les virages. On a peut-être une intrusion. Oups. Fouillez tout le secteur.
Drone, en mode recherche. Faut que je fasse le tour du rond-point. J'adore. Oh, les piétons. Oui, t'as raison de klaxonner. Oh. Oh. Ah oui, c'est pour moi. Je suis toujours. Oui, je t'arrive. Je sais. C'est Jonathan aussi. Alors, que dois-je faire? J'y suis. On est juste à côté. Séduire l'officière de liaison. Eh ben, ça, c'est de la mission. Oh. Ouais, je sais. Hop. Ouh. Bah Jonathan est déjà dans le problème là. Je vais te rabattre le caquet. Non, c'est pas vrai. Bon, de toute façon, Jonathan n'était pas vraiment notre priorité en tant qu'agent pour séduire. Ah, c'est pas possible. Ils étaient trop nombreux, là. Allez, je vais boire un petit coup. Bon, je peux rien faire, tant pis. Je pensais que je pouvais gagner beaucoup d'étaux. Les verrouiller. J'ai gagné beaucoup d'étaux. Ok, ça doit être à l'étage pour notre mission. Au lieu de faire autre chose. Ok. C'est elle. Allons lui parler. Wesh, presque tu me donnerais la dalle, toi. Ça te dirait qu'on se fasse une... tu sais, un kebab? Ouh, si c'est ça ta technique de drague, j'ai envie de te dire, me calcule pas. Allez, bisous. Ouais, ok, c'était la merde, je capte. Bon, on va teaser ou quoi? On se met bien? Ah, je suis de super bonne humeur, je te signale. Non mais super, quoi. Pour une fois que je suis dispo, je perds mon temps à repousser les avances d'un stream. Bon, bah va chier, alors. Dans tes rêves. Les nuances des interactions humaines m'échappent encore un peu. Mais à en croire mes analyses, vous n'êtes pas son genre. Eh bah, merci pour l'info. Arrêtez de chouiner. L'océan de l'amour est rempli de poissons et j'ai l'aquarium le plus fourni de toute la ville. On doit bien avoir un poisson baisable dans le tas. Vas-y, j'écoute. Essayez avec quelqu'un d'autre la prochaine fois. Pourquoi pas une femme? D'accord. Ok. On prend une femme. Ah, je... Non, il... C'est un nouvel agent? Je savais même pas que je l'avais. Non,
J'adore Claudalt, donc on va prendre Claudalt. Oui. Je ne suis pas sûr que Claudalt soit son genre. Regardez bien, fouillez partout. Bonjour. Nous avons matché sur Invite, il me semble, c'est bien ça? Clairement, si c'est pas le cas, je fais buter leur PDG, quoi. Je vous le déconseille. Je vous ai menti. Attention à ce que tu dis, quand même. Quelqu'un a failli mourir. J'en prends note. Je ferai attention à l'avenir. Bon, ça te dirait de continuer cette conversation dans un endroit un peu plus intime? Oh là là! Je savais pas que tu pouvais faire ça. Tu me caches d'autres secrets encore? Il me faudrait trop de temps pour les lister. Oula! Ça a été bien vite. Bon, après tout cela, avez-vous récupéré les données biométriques? Bien entendu. Empreinte digitale, rétinienne, plus un échantillon capillaire pour un projet personnel. Excellent travail. On fait quoi, du coup? Il va peut-être falloir faire encore illusion quelque temps. Le chargement se poursuit et l'officier de liaison est en train de nous appeler. Pas décroché. Bon, va falloir arrêter de mytho, maintenant. T'es qui, sérieux? Tu bosses pour les Russes? Les Chinois? Les Amerlocs? C'est à cause de mon petit prélèvement, c'est ça? Je sais, j'aurais dû demander, mais vous auriez refusé. Oh, la ferme! Transfert terminé. J'ai Malik en ligne. Je suis certain qu'il sera parfaitement courtois avec vous. Ça devrait faire l'affaire. Rejoins-moi à l'abbaye de Westminster, qu'on discute des résultats. Ah, au fait, j'en attendais pas autant de ta part. Est-ce votre façon de faire un compliment? Il s'est déconnecté. Oh non, mais c'est pas vrai! Bon, où c'est qu'on va? Face à 0D, oulala, on est très très loin. Non, mais pourquoi il s'est déconnecté? C'est pas bon. Allez, c'est parti. J'ai envie d'aller par là, moi. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus long. C'est peut-être plus dangereux, par contre. Allez, pousse-toi. Ouais, ça m'agace. Bon, la voiture est sympa cette fois-ci. À part récupérer un taxi ou un scooter. Ouais, ça y est. Je regarde le plan et voilà ce qui se passe. Ça va plus. Et on fout la merde ailleurs. C'est bien ça. Oh là. Personne de mort, ça. De Westminster, là où repose Édouard Ier, roi de la fornication entre cousins. En quoi est-ce pertinent ça, Bagley? C'est pertinent si vous êtes cousin. Quoi qu'il en soit, asseyez-vous. J'informe Malik de votre arrivée. Non, il a dit s'asseoir. Il n'a pas dit grimper.
Voilà. Très discret toujours. Je quitte la partie. Ça fait 76 heures que j'ai pas dormi. J'y arriverai pas. Vous êtes fatigué. Non, je suis effrayé. Je sais qui dirige Zero Day et je ne crois pas pouvoir la battre. N'essayez pas. Donnez-moi un nom. Ce n'est pas une suggestion. D'accord. Alors je te confie ça. D'après mes analyses, Zero Day serait dirigé par la directrice du contre-terrorisme des Sœurs, Emma Child. D'après la légende, ce serait grâce à elle que Gorbatchev a survécu au putsch de 91. Et au-delà de ça, c'est mon amie. Elle a été mon mentor pour ma première mission sur le terrain. Merci. Vous avez fait vos adieux ? Attends. Attends ! Il y a toujours une marge d'erreur. Si tu t'en prends à Emma et que je me suis trompé, tu te retrouveras avec elle et Zero Day à tes trousses. Confirme que c'est elle avant d'agir. On fera attention. Te plante pas. C'est notre tête qui est en jeu. Ça me fait mal de le dire, mais Malik a raison. On peut pas foncer tête baissée. C'est quand même la responsable des Sœurs qu'on vise, là. La section antiterroriste. Je suis d'accord, on a besoin de faits précis. On ne vise personne avant d'en savoir plus sur Emma Child. D'accord, ça me va. Comment on la trouve, alors ? Bagley, filtrez ces dossiers des Sœurs sur les agents qui travaillent pour Child. Si on les place sur écoute, ils nous mèneront directement à elle. Voilà. Oh, c'est mignon. Mais on peut pas rester à attendre que quelqu'un fasse une erreur et nous mène jusqu'à Emma Child. Il faut forcer un peu le destin. On doit frapper fort, en mode dead sec. Et les faire tellement flipper qu'ils vont lui demander d'organiser une réunion. Emma Child est à la tête du contre-terrorisme chez les Sœurs, qui coordonne les opérations avec Albion depuis l'ancien bâtiment du MI6. Donc imaginez qu'on s'introduise là-bas et qu'on lui laisse un message qui lui parviendrait. C'est astucieux. Faisons comme ça. Pirater le serveur de fichiers du MI6. Mais oui, les gars, pourquoi pas? Plus ça va, plus ça devient dangereux. C'est par ici. Conservez bien cette énergie négative. Je connais quelques fascistes contre qui vous pourriez la libérer. Voici l'ancien bâtiment du MI6, qui était autrefois l'agence de renseignement la plus prestigieuse au monde. Mais maintenant que les Sœurs y ont pris leur quartier, c'est le cœur de tous les complots ténébreux et coups sanglants en Europe. Vous voyez, la différence n'est pas énorme, finalement. J'ai pas envie de finir au fond de la Tamise, moi. Bagley, tu vas lui faire peur. Trouve la salle du serveur central et connecte-nous. On s'occupe du reste. Ça va le faire. Bon, il n'y a rien à faire par là. Oh, oh. Oh non. Il y a deux agents. En fait, t'as pas de chance. Je te défonce.
arrose la cible, pourquoi faire? J'ai bougé. Tu me vois pas? Alors la question, c'est pourquoi il m'a rechangé d'arme alors que j'avais celle-là? Il arrive ou pas? Il est où celui-là? Laissez pas filer cette ordure. Là, un pièce qui me servira pas pour l'instant, peut-être plus tard, un autre, deux pièges là, il y a une clé, il y a un autre piège. C'est ça. Tenez la clé, ça doit être par là. Raté. Il y a deux agents. Non, je me retrouve à l'extérieur, c'est pas bon. Désolé mec. Oui. Jure de portée. Pas de caméra, rien. Non.
peut-être notre porte de sortie. Si, je suis passé par là. Merde. Je vous envoie l'adresse pour un 10-30. Quelque chose a déclenché l'alarme. On fouille la zone. Faut que je remonte. Je peux pas. Oui, je peux grimper. Ok. Descendre. C'est ce serveur-là. Connecte Bagley qu'on règle cette histoire vite fait. Très bien. J'ai du nouveau sur la mission, mais vous devez me promettre de ne pas vous fâcher. Promis. Allez-y. Vu que vous ne me l'avez pas promis, je garde les détails pour moi. Mais disons qu'il y a, comme on dit, une chier de garde qui fonce droit sur vous. Ils sont où? Je les vois pas. Je suis à 54%. Heureusement qu'on est dans le même camp. Bien joué. Maintenant, Cassos. On dira quand on aura quelque chose. Sa trace ici. Allez vérifier.
Regardez-moi ça, votre plan a fonctionné. L'organisation des Machaïd bourdonne dans tous les sens. Pire qu'un nid de frelons en rut. Eh bien, ça aura été incroyable. Rapide. Eh bien, j'ai peut-être envoyé quelques images de vidéosurveillance de votre petite opération MI6 au cercle rapproché de Child, histoire d'accélérer les choses. Ce n'est pas dangereux? Non, pas vraiment. Mais comme vous êtes une agitatrice violente affublée d'un drôle de masque qui cogne des mercenaires, vole des documents top secrets et traverse les vitrines en voiture, précisez dangereux. Exact. Comment on procède alors? Un petit groupe va rencontrer Emma Child sur un parking. Ils ont coupé la vidéosurveillance, mais malin comme je suis, je pourrai la réactiver si vous me connectez au Hub City OS du bâtiment. Bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Ok, ça marche. Eh ben écoutez, ça sera pour l'épisode 16. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures de Watch Dogs Légion et bien d'autres qui sont à venir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Allez, à ciao !